Zombie apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Chiral, on se retrouve donc sur le let's play de Hold Your Own. Donc la suite, on en est à l'épisode 24. Dans l'épisode 23, je vous mettrai de toute façon la playlist à la fin de la vidéo, parce que ça fait un moment qu'on est sur ce jeu, comme quoi il y a de quoi faire, même s'il y a encore des bugs. Nous avions eu une mission suicide avec des hunters de plus en plus hargneux, de plus en plus nerveux. Et je crois que c'était ma première mort dans ce jeu. Donc au niveau des quêtes, nous devons aller parler, si vous vous rappelez, si vous suivez le let's play, nous devons retourner à Kobe Island pour aller localiser Stan qui se trouve dans un café et qui veut nous parler. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, on était à quel niveau de la map? On était à Blood Island. Stan était là-bas et il s'était téléporté par magie. Maintenant, il est à Kobe Island. Donc, évidemment, nous, ça ne nous arrange pas toujours parce qu'on était là. Donc, avec le bateau, effectivement, il faut revenir et il faut démonter le lit qu'on avait mis là-bas. Remettre un lit à la base au cas où on se fasse tuer. Sinon, on repop n'importe où sur cette île-là. Vous repopez n'importe où sur l'île sur laquelle vous êtes. Attention, votre base est ici. Vous démarrez le jeu là. Mais pour ça, regardez le let's play depuis le début. Vous comprendrez mieux. Donc, ça oblige à revenir, à refaire un lit à la base, le temps de fabriquer l'autre lit au cas où on se fasse tuer, et de refaire un autre lit, de recasser le lit de la base pour partir à Kobe Island. Donc, Stan, il m'énerve un petit peu, pour être honnête avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller prendre le bateau. Donc, j'ai préparé le lit, je l'ai dans le bateau, j'en ai même un sur moi, je ne sais pas pourquoi, mais il y est. Bon, c'est pas grave. Et puis, on va aller à Kobe Island voir notre ami Stan. Donc j'ai préparé tout ça hors vidéo avec le festival des démos, les découvertes. En ce moment j'ai beaucoup de clés qui me sont données, donc je prends du retard sur le let's play et je m'en excuse. Donc là j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vous fais l'épisode 24 de Hold Your Own. Donc on va prendre notre bateau, on va aller à Kobe Island. Alors, qu'est-ce que j'ai en fuel? C'est pas énorme. Je vais peut-être lui en rajouter un petit peu. Alors, hop. On va mettre du fuel parce que on en a utilisé. Hein. Je peux pas en mettre plus. Pourquoi? Tu veux pas? En 32 minutes, il estime que c'est... Ah, il veut pas en mettre 50. Alors, on va... Hop. 25, tu veux? Voilà. Comme ça, on a une heure de gasoline sûre. Je vais aller jusqu'à Kobe Island et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve là-bas, comme ça, ça vous évite le trajet en bateau. A tout de suite. On se retrouve donc à Kobe Island, il fait nuit et il faut donc qu'on aille dans une des villes de la map. On ne sait pas où exactement se trouve Stan. Alors, au niveau de Kobe Island, il n'y a qu'une seule ville, hein, donc on ne va pas trop s'embêter. Il doit être donc dans la ville, mais il fait nuit, donc j'espère que je ne vais pas mourir. Alors, on va chercher donc un espèce de bar, un café. On va en profiter pour fouiller aussi un petit peu. On va en profiter pour essayer de ramener des ressources en même temps. Histoire de. Et on va croiser les doigts pour ne pas mourir, bien sûr. Alors... On prend tout, je jetterai au fur et à mesure, parce que maintenant, on l'a vu, on a besoin de tout. C'est moins facile qu'au départ. Toutes les ressources maintenant nous sont plus ou moins utiles, je dirais. Donc, faut les prendre. Ça, par contre, on va le laisser. Ça, on n'a pas vraiment besoin. Ça, on prend. Ça, on prend. Nourriture, toujours bon à prendre, bien qu'on n'en manque pas vraiment. Hein. Au début, c'est un petit peu galère. Mais après, on s'en sort plutôt bien. Alors, je fouille les maisons un petit peu de façon à trouver ce qu'on a besoin hein, pour les différents... Et puis, ça nous permet aussi de pouvoir vendre. Parce que je vous rappelle, on a l'hélico à faire. Donc, il n'est pas donné. Je vous le répète. Mais donc il faut rien négliger quoi. En fait on sait pas trop maintenant, on sait plus trop ce qu'on doit laisser, ce qu'on doit pas prendre, ce qu'on doit prendre, ce qu'on doit laisser. C'est assez compliqué quand même là maintenant, faut le dire. En plus des hunters qui sont
plutôt très furax. Alors, à la limite, si je suis full, retour au bateau, je pose. On n'est pas très très loin du bateau et la ville est juste à côté. Donc, pas de souci de ce côté-là. Je continue à fouiner. Bon, il nous faut vraiment trouver Stan. Hein. Il n'y a pas à tordre du nez. On n'a pas le choix hein, pour savoir ce qu'il nous veut. Rappelez-vous, c'était TP de l'autre île. On avait bien galéré. La grosse mission suicide. C'était une horreur. Cette mission, je suis pas prête de l'oublier. Bon, ça par contre, les attelles, je sais pas. Enfin bon, on va le prendre. Oh, non, là, je veux rien. Non. La farine, je vais la prendre parce que on a eu beaucoup de quêtes qui nous ont demandé à un moment, si vous suivez le let's play, on a eu 2-3 quêtes un petit peu pénibles, je dirais, où il fallait faire beaucoup d'allers-retours pour le nouveau lieu où on a installé la milice. Et le problème étant que à chaque fois, c'était ou des ingrédients, mais on n'avait pas eu encore de demande au niveau de la farine, des choses comme ça, c'était beaucoup du matériel, ou de leur fabriquer la forge, etc., etc., tout ceci. Donc je sais pas, donc maintenant on sait plus trop quoi prendre hein. On prend tout puis on sait pas, puis on garde, donc c'est un petit peu compliqué tout ça. Donc ça par contre je peux le virer, peut-être les clottes j'en ai pas besoin. Je me suis refait un pantalon et un t-shirt à la base, donc bon, je n'ai peut-être pas besoin de ça. Alors le jour se lève, on va pouvoir voir nos amis qui vont pop, je pense, ou qui ont déjà pop et qui tournent. Alors, on va tout prendre. Bon, ça fait un petit moment que j'étais pas revenue dessus. Je vous cache pas que je pense que ça aussi, je vous l'avais déjà dit. Au niveau visuel, même en réglant la sensibilité de la souris, c'est un jeu qui donne un petit peu le mal de mer, je dirais, par moment. Alors, surtout que là, en plus, je suis plus sur des jeux statiques, je dirais. Donc là, ça me fait bizarre de revenir dessus. Et je vous cache pas, ça tourne la tête hein, un petit peu. Hein. Allez, on va fouiller ici. On va essayer de trouver des pizzas. J'en ai pas refait au niveau de la base pour me redonner de la vie. Si je peux en trouver, tant mieux. Un béton. Je vais pas monter aux étages. C'est pas le but de notre venue. Ça fout sacré mal à la tête quand ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu dessus. Hein. Donc c'est pas un jeu, si je peux vous donner un conseil, c'est pas un jeu où il faut y passer des heures dessus. Parce qu'au niveau des yeux et de la tête, hein, c'est pas terrible. Hein. Autrement, c'est un jeu qui demande énormément de temps. Si vous voyez le nombre de temps que j'y ai passé dessus. Là, on a la pharmacie. Aïe. On a une heure. Pas trop le temps de la tuer, à vrai dire. On va la laisser. On va laisser faire passer. Pour qu'elle me voit pas. On le saura très vite si elle me voit, de toute façon. Elle va crier. I won't kill you. Mais non. Enfin, non. On va essayer de faire en sorte que non. On n'a plus beaucoup. Je suis partie sans énormément de coffrets de soins. J'espère que... Ben voilà, je demande, j'en ai. Tant mieux. J'espère que j'aurai pas de problème à ce niveau-là. Il va falloir qu'on trouve Stan, hein, le fameux PNJ qui doit nous parler. Voilà, et là je suis full, c'est la folie quoi, c'est impressionnant. J'aurai quand même des trousses de soins, le reste tant pis. Ça je m'en fous. Trousses de soins un peu radin là sur le coup. Bon, j'ai des pansements quand même. Alors, là ici, elle est là. Alors le resto est là, je crois qu'elle va manquer Kinel. Hein. Oh, il va falloir que tu sois là, toi. Il
J'avais pas prévu qu'il soit là, celui-ci. Alors, ici, on va prendre un... Hop, ici, on va prendre ça. Ça, je le laisse. Alors, bah, Kofi, il est là pourtant. Et je vois pas de Stan dedans. Je suis bien à Kobe Island. Hein. Je vérifie. Kobe Island, ok. Et on est bien à Kobe Island. Ok. Mais il est où Stan alors? Un Kofi, c'est bien un Kofi ici. Resto, ils ont fait une différence. Tu vois qu'on se balade dans la ville pour trouver Stan. Je dirais pas non, à des pizzas quand même là, qui redonnent des points de vie. Bon, un point de vie par pizza, mais bon, c'est déjà pas mal. Pas de pizza, nos pizzas, pas de pizza. Des patates, mais pas de pizza. Alors... Elle m'attend, hein. La vache. Bon, elle est repartie. Je vais être obligée de la kill, hein, parce que sinon... Sinon, elle risque de m'en coller une, et puis ça me fait de l'XP. Alors, on va prendre tout ce qu'on peut. Alors là, ben, on a l'église, donc il peut pas être là-bas. Ah, peut-être ici. C'est ça qu'ils appellent le Kofi. Ici. Stan, oui, il est là. Alors, Stan, qu'est-ce que tu nous donnes comme nouvelle quête? Merci d'être venu. Nous avons une solution. La ministre a démarré. Alors, la ministre est repartie. Nanana. Et nous avons pu installer des radios et des téléphones dans des tours. Nous voudrions que tu fixes la vieille radio de la tour. Juste devant le motel ici à Kobe et restaurer pour les communications avec le monde extérieur. En fait, il veut que j'aille à une tour face à quoi? Alors, map quest. Alors, localiser la tour de radio face au motel et réparer là. Pour la réparer, il suffit d'un simple clic avec le bouton E. Regarder la tour et l'ouvrir. Réparer les fenêtres et ajouter les items nécessaires. Ah, c'est une blague. 25 iron lingots. Non, il va falloir que je reparte à ma base pour faire 25 iron lingots. 15 aluminium plate, 25 cobalt alloy et 100 screws. Non mais c'est une blague. Qui seront nécessaires à la réparation de la tour. Oh, allez, encore un aller-retour. Alors, face au motel, on va quand même aller jeter un œil à cet endroit. Il est sympa. Je ne peux plus le saquer. Je ne peux plus voir Stan. Il m'agace. À chaque fois, il me donne des missions complètement pourries. Qui me demande des allers-retours et j'ai pas toujours ce qu'il faut. Résultat, c'est après, je perds du temps au niveau du let's play parce qu'il faut que je passe un nombre incalculable d'heures à aller me balader dans les villes pour looter et trouver le nécessaire pour pouvoir faire les quêtes. Je le hais. Alors, face au motel, c'est d'où on vient en fait. Alors, la tour face au motel. Alors, le motel, il est là-bas, si je ne m'abuse. Ici. Donc, il me parle, je pense, de cette tour-là. Voilà, E. D'accord. Et là, il faudra que je mette les items demandés. Ok. Bah, écoutez, on va continuer à fouiller la ville. Je vais retourner vite fait au bateau, déposer ce que j'ai sur moi. Comme ça, au moins... Et encore une fois, j'ai fait un lit pour 2 secondes, quoi, en fait, puisqu'il faut que je reparte. Mais il croit que le loot, ça se fait en 2-3 mouvements. Ça demande des choses, hein, de crafter des lits. Alors, on va ranger ça. On va ranger ça.
Ben, tout un petit peu. On va garder les screws sur nous parce qu'on pourra peut-être les poser d'avance. Ça peut fonctionner. Je vais être vite full, je crois. Là, c'est full. Ici, je peux le poser dans le gaz à la limite. Le reste, les screws, je les garde. Ça, je le pose. Ça, je le pose. Ça, 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 ça et ça. Et les screws, je les garde. Combien il en faut? Les iron lingots, je les aurais pas ici. Aluminium plate non plus. Et sans screw. Donc il va falloir que je trouve 100 vis, à moins que j'en ai pas mal à la base. Alors là, je peux pas vous dire. Donc on va fouiner. On va fouiner. Au moins trouver des 100 screws, ça serait pas mal. Tout le reste, il faut la forge et tout pour le faire. Hein. Donc le motel, on l'a fouillé. Ici, on a fouillé. Donc, on va aller fouiller. Fouiller, fouiller, fouiller. Donc ici, on a tué. J'espère qu'il n'y a pas 70 millions de hunters, pour être honnête. Alors, des screws et puis ben, tout le reste. Hein. Bon, évidemment, ça, on le prend. Ça, on le prend. Là, non, non. Ici, le poulet, on s'en fiche un petit peu. Ça, par contre, on prend. Ça permet de faire les canettes végétales et on en a besoin. Alors, ici, il n'y a plus rien. Ici. Non, des trucs qui ne m'intéressent pas particulièrement. Alors. À moins qu'on trouve des lingots, vous voyez, comme ça. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on en trouve autant qu'ils en demandent. On sera obligé de retourner à la base. Je serai obligé, du moins, de retourner à la base, préparer tout ça. On le verra dans la prochaine vidéo. Je pense à la tour. Hein. Là, on va surtout looter des affaires. Si je peux, comme je vous dis, je les poserai dans la tour. Comme ça, ça sera déjà déposé si on trouve 100 screws. Mais je serai surprise qu'on les trouve. On les trouve quand on n'en a pas besoin. Et puis quand on en a besoin, on les trouve pas. Ici, j'ai pris, hein, je pense. Non, peut-être pas. Si j'ai fouillé. Ok. Et en haut, en général, il n'y a rien. C'est très très rare qu'il y ait des choses. Ouais, surtout quand c'est comme ça. C'est très très rare qu'il y ait des choses là-haut. Ok, bon. Mais voilà, ça va être encore des quêtes aller-retour, aller-retour, aller-retour. Alors, ici. Ça, c'est pas une maison à étage, donc déjà, c'est moins fatigant au niveau des yeux. Je peux peut-être prendre ça. Ça, j'en veux pas. Ah, des electric parts, ça, on dit jamais non, ni au cuivre, hein. Sinon, c'est ce qu'on trouve le moins. Ok, il n'y a plus rien ici. Ici, j'ai fouillé, ouais, hein, je crois. Hop, hop, ouais. Donc ici, c'est une maison à plein pied, en plein pied, pardon. Beaucoup plus pratique. Hop. Et pas de screw, hein. Pas de screw du tout, pas de vis. Alors, des balles. Mais bon, vous savez que moi, les balles dans ce jeu, je les utilise pas. À part vraiment sur les loups, parce que c'est les plus durs. C'est ce qui vous font le plus de dégâts. Donc, on s'en va le prendre, mais ça non. On va tout prendre. Ici, il n'y a plus rien. Ça va pas courir les vues, hein, les screws, là. Hein. Alors. Je fais gaffe à ma stamina. Parce que si j'ai plus de stamina pour courir, c'est un problème. Je sais pas s'il y a la tradeuse en face. Hein. Je me rappelle plus. C'est sur cette île qu'est la tradeuse. Non, pas du tout. Donc, je vais pas m'embarrasser de choses à revendre. Bon, ça, je m'en fous. Ah, mais donnez-moi des vis, hein, s'il vous plaît.
après, je sais pas s'il y a... Parce que ben, jusque-là, on n'en avait pas besoin, à part pour quelques constructions. Mais est-ce que on va avoir la possibilité de les craft à la base? Ou est-ce que je vais devoir, hors vidéo, ben, fouiller des villes, tout un tas de trucs comme ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas en tête, là, tout... toutes les possibilités qu'il y a au niveau des crafts à faire. Donc ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on va le prendre. Parce que ça, je sens qu'à un moment, on va en avoir besoin. Je sais pas, j'ai une petite voix qui me dit les trucs en verre, jusque-là, tu t'en es pas soucié, mais tu devrais. Je ne sais pas. Alors, on continue. Ça, c'est pour se faire des munitions pour soi-même. Parce qu'on a différentes armes possibles. Moi, je ne les ai pas craftées pour l'instant. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors ça, ça, on va le laisser. Ça, on laisse. Ici, on laisse. Ça, on va le prendre. On ne sait jamais s'il y en a besoin. Ok, ça, c'est fouillé. On va faire la rangée de gauche. Hop là, une hunter en face. On va se la faire. Parce que bon. Ah! Ok. Alors, on va tout prendre, enfin, ce qu'on peut. Ok. On va se soigner dans la maison. Parce que bon, on dirait pas, mais on a quand même pris un shoot. Pas énorme, mais. On a vu qu'avec les armures, alors attendez, je vais peut-être me soigner déjà. Hop. On va boire. Donc comme ça, ça on peut le virer. Ensuite, faut que je crunch un truc. Hop. Les tomates. Je vais faire de la place. Qu'est-ce que je dois manger d'autre? Hop, ça. Et. Ok, ça fait de la place. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, tout ça, on prend. Ici, on prend tout. Ça, j'en ai pas besoin. Ici, on prend tout. Sait-on jamais ce qu'on va nous demander ça? Hop. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, ces petites boîtes en plastique, on les cherchait partout. On n'en trouvait pas. Il nous en fallait une centaine, je crois, aussi. Et on a bien galéré, enfin, j'ai bien galéré à les trouver... Hors vidéo, j'étais en live sur Twitch, heureusement. Hein, comme ça, je papotais en même temps que je fouinais. Mais qu'est-ce que j'ai galéré à les trouver. Donc, faut anticiper. Alors là, je ne sais pas du tout quoi jeter. Hein, pour être honnête avec vous, bon, ça peut-être... ça sert hein, pour faire le... On peut le transformer pour le carburant du bateau. Donc, c'est pas à laisser de côté. Les boîtes, je les prends parce que, je sais pas, j'ai un truc qui me dit... Vu qu'on n'a pas eu de quête encore avec toutes ces boîtes-là qui permettent de faire du thé et autres, je me dis, je pense que ça, j'en ai 3 tonnes. Donc, hop, je vais prendre ça. Ici, j'ai fouiné, pardon. Ici, il n'y a rien. Ok. Donc, je fouille avec vous. Le retour, je le ferai hors vidéo, hein, comme d'habitude. Et on va aller voir en face. Je n'ai même pas regardé à gauche et à droite s'il y avait du monde. Ça me l'aurait dit, mais non. Ça, on prend. Voilà, ces petites boîtes-là. Rappelez-vous, les épisodes précédents, c'était une vraie misère. On en avait 100 et quelques à trouver. My God, c'était de la folie. Alors, il y a des maisons. Voilà, quand il y a des lits comme ça ici, par contre, ouais, on peut trouver des loot assez... intéressant, voilà du cuivre par exemple, donc quitte à remplacer, je préfère prendre le cuivre, hop, plutôt que les attelles, hein. Parce que
que le cuivre, on peut le transformer ensuite pour avoir des electric parts. Les electric parts, on en a besoin. Ça, c'est pareil. Le problème, c'est qu'on est full très très vite maintenant. Alors, et pas de screw. Pas la queue d'un screw, d'une vis. Pas la queue, hein. Pour l'instant, on a trouvé 4, je crois, hein. 4 et c'est tout. Ça, je m'en fiche. Ensuite, ici, on va prendre. Hop. Ici, rien d'intéressant. Des clouds. Les sacs poubelles, ça vous sert pour faire du terreau pour vos plantations. Donc, ah, ici, j'ai pas. Ouais, bon, j'en ai dans le bateau. Bon. Ça non. À des screws. Ok. J'en suis à 8, hein. On va pas aller loin. La ville n'étant pas immense, c'est pas comme notre île où il y a beaucoup plus de villes à visiter. Enfin, faut-il que les screws pop dans la ville, ce qui est un autre problème. On a une dernière maison ici à fouiner, puis on aura la station. Alors la porte est ouverte, on se méfie. Ok. Bon, je crois que je les ai tous quick, hein, je veux pas dire, mais. Au moins, j'aurai pas de flèches à me refaire. Hein. J'en ai déjà trouvé pas mal. Hein. Donc, il ne me reste plus que la station-service à fouiner. Après, je crois qu'on a fouillé toute la ville. Hein. Vous savez, il faut être à l'affût du moindre bruit. C'est pas un jeu qu'il faut jouer avec de la musique. Parce qu'autant les animaux que les PNJ vous lancent un message, les loups, etc., lancent un message avant de vous attaquer. Donc effectivement, c'est pas un jeu auquel on peut jouer, par exemple, avec un bruit de fond. Il faut vraiment être à l'affût du moindre bruit. De toute façon, on va pas se faire avoir, quoi. Alors ça, je me demande si les screws. Voilà, screw mold, ça j'en ai besoin. Hop, j'en ai pas énormément à la base. Dans les screw mold, les munitions, j'en ai 3 tonnes. Hop. Les screw mold peuvent me permettre de faire des screws, je pense. Clou. Le problème, je suis fou là. Je pourrais faire un aller-retour au bateau. Mais je pense pas que je trouverais mieux, hein. De toute façon, là, en fouillant, on a fait vraiment toute la ville. Là, on va vérifier, mais je pense qu'on est bon pour repartir au bateau. Tout ça, c'est fait. Je vais vérifier ici, mais je pense qu'on a fait toutes les maisons. Alors, on a encore une hunter là. Jamais, peut-être que dans son coffre il y aura des screws. Non, il y a de l'essence. Ouais, bon. Ok, donc là on a tué tout le monde. Alors, comme d'habitude, le petit frise parce qu'il va pleuvoir. Ça, vous le savez. Hein. Je crois qu'on a vraiment fouillé toute la ville. Hein. Donc, je pense que le plus simple là c'est de retourner au bateau. Ok, non, ça on a pris. Donc on va retourner au bateau. Peut-être en profiter pour se prendre quelques cactus ici. Il
une d'inventaire full parce qu'au niveau des fibres, ça me les mettra pas dans l'inventaire. Hein. Mais tout ce qui est figues là, oui. Vaut mieux faire le stock. Chez nous, on n'en a plus beaucoup. Là, on en a 64. Ça va, je pense que c'est bon. On va se remettre sur l'arc. Un ou deux cactus supplémentaires. Je suis en train de regarder. Est-ce que là-bas... Ouais, je l'ai fait. C'est le motel. Hein. Je regarde... Ouais, il y a vraiment que la villa. Elle n'est pas extrêmement grande. On a vraiment tout fait. Hein. Bon. Alors, on va aller poser ça dans le bateau. On détruira le lit après. Et je retournerai à la base. Alors, je ne sais pas si j'aurai la place pour tout poser. Alors, ceci. Bon, essayer de poser. Quand ça me dira non, ben, c'est que c'est pas dans ça que je l'ai mis. Ok. Donc non. Et ici. Sachant qu'après, de toute façon, on devra tout débarrasser au niveau de la base. Voilà. Donc on va repartir. On va casser le lit. Hein. Surtout ne pas oublier. Sinon, on repop où notre lit est. Et si on meurt... dans notre base, ben c'est si on meurt là, on est foutu. Alors, hop, je vais redémarrer, je vais me mettre un checkpoint sur la map pour dire que je retourne chez moi, enlever celui-là. Je suis à peu près ici, je pense, de mémoire. Voilà, on va revenir à la base, tranquillou. Ce que je fais, c'est qu'on se retrouve là-bas et on regardera tous ces moyens qu'on a pour ben, tout ce qu'on a à construire, quoi. Je sais, on le fera sûrement pas dans cet épisode, mais on regardera vite fait une fois là-bas avec quoi on va devoir construire tout ce qui nous est demandé. Donc je vous retrouve une fois que je suis retournée à la base. À tout de suite. Je suis donc rentrée entière à la base sans aucun problème. J'ai déposé, pour vous éviter hein, les allées venues, tout ce qu'on a looté à Coby Island, tout ce qu'il y avait dans le bateau, j'ai tout rangé. Donc on rejette un œil, donc on nous demande, il faut qu'on prenne avec nous pour retourner à Coby Island, pour réparer la tour, afin de pouvoir communiquer avec les autres, il nous faut 25 lingots d'iron. Alors on va regarder si on a ça tout de suite. Alors, j'en ai 66. Hop. Si je fais ça, 24. Non, ce n'est pas les mêmes. Hop. Alors, 25. Donc, 25 iron ingo, on a. On va le ranger les autres. Hop. 25, c'est bon, c'est rangé. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Pour être prêt au prochain épisode pour partir. Alors, on a bien nos 15 aluminium plates. Alors, les aluminium plates, je ne pense pas que ça se fasse ici. Si. 15 aluminium plates, on en a 25. On a du bol. Hein. J'ai pas vu la quête avant, mais... 14. 15. Donc, 15 aluminium plate. Toc. 25 cobalt alloy. Alors, 25 cobalt alloy. On va regarder la suite déjà. Alors, 25 cobalt alloy et 100 screw. Alors, hop, ici. Voilà. On n'en a plus après. On n'en a plus. On a du cuit. Hein. Ça craint. Hein. Et cobalt alloy. Cobalt alloy. Où c'est que je peux avoir ça?
Peut-être là-bas. Je vais aller regarder. Ça se ferait dans... C'est pour faire les machines ici. Non. Titanium. Alors peut-être dans le menu, on va regarder dans le menu ici, est-ce qu'on aurait quelque chose? Je pense pas. Non, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc il nous faut automatiquement une machine. Mais alors ça va être laquelle? C'est le problème. Hein, cobalt alloy. Cobalt alloy, voilà, c'est ça. Il nous en faut combien? Inventaire, quest. 25 cobalt alloy. 25, on en a 2. Et pour faire des cobalt à l'œil, il nous faut des lingots. Est-ce qu'on en a d'avance? On en a 27. On va voir combien ça nous en fait. Hop. Donc, cobalt à l'œil. On met ici ça. Ça m'en fait combien? 27. Et combien il m'en faut? Quest 25. 25 cobalt alloy. Alors, cobalt alloy. Toc, toc, toc. On va dire 23. Ça peut m'en faire maximum. 23. Allez, on le craft. 5 petites minutes. Et on aura tout en fait, on a un petit peu de bol. Par contre, au niveau screw, on prend une grande claque. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être aller directement ici en fabriquer d'avance. Si on peut, voilà, des screws. 46, il nous faudrait ici, ouais, on n'a pas beaucoup non plus. Hein. On va faire d'avance hein, parce que c'est pas que, mais alors combien on peut s'en faire? 10, hein. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, hein. Mais on les aura au moins d'avance. On va manquer d'iron fragments, mais je crois qu'on peut aussi se les faire, les iron fragments. Voilà, avec ben des petits lingots là d'iron. Donc on va les prendre. Que je touche pas ce que j'ai besoin. Voilà. Hop. Et on va se faire. Voilà. Bon, ça par contre, hein, bien sûr, je m'en occuperai hors vidéo. Donc, normalement, on a tout ce qu'il faut. On revérifie. Quête. Donc, 25 hero lingon. Alors, hop. On vérifie. 25 iron ingo. 15 aluminium plate. 15 aluminium plate. Histoire de ne pas faire l'aller-retour pour rien. 25 cobalt alloy. Ils sont en train de se faire, je pense. Ouais, ils sont en train de se faire. Les 25 cobalt alloy. Et ensuite, il manquait 100 screws. Les 100 screws, on les a bien. Donc, c'est juste les cobalt alloy qu'on attend qui se font ici. 3 petites minutes. Alors, je n'ai pas reposé mon lit. Je vais boire un coup. Parce que c'est pas que, mais en attendant, notre perso, il a faim. Alors, on va se remettre plein pot. Ok. On va faire une quick save, histoire de, voilà. Je n'ai pas reposé mon lit puisqu'on repart, hein, donc on repartira dans le prochain épisode. Je n'ai pas posé mon lit, donc c'est pas la peine que je pose un lit pour faire ce que je suis en train de faire. Je suis quand même assez safe dans ma base, même s'ils viennent, etc. Ils peuvent pas m'attaquer là où je suis. Donc, je suis quand même assez tranquille. Donc, pas la peine de gaspiller un lit, le poser pour le détruire dans la seconde qui suit.
Vous, par contre, faites attention, mais pour faire un lit, voyez, pour faire un lit, ça ne demande pas grand-chose. Il faut des pierres que vous trouvez dans la mine et des clous. 10, 10 pierres, 10 clous, vous avez un lit. Hein, donc, c'est pas trop gênant. Je vais peut-être en faire un pour moi, pour le retour, que je laisserai ici. Alors, hop, on va prendre ça. Les clous. Du cobalt, j'en avais ramené plein de la fois de l'épisode précédent. Donc, hop, ici, on va s'en faire deux, comme ça, on sera tranquille. Bon, ça, je les récupérerai, je pense, après la vidéo, je le rangerai, comme ça, on aura ça d'avance. Ici, plus que 2 minutes pour tout ça. Donc, ici, on peut peut-être... pourquoi ça, elle est toute seule, on ne sait pas. Hop. Et voilà. On range un petit peu notre bazar. Voilà, ça c'est fait les 2 lits. Bon, je peux ranger les cobalt. Hop, qu'est-ce que je peux ranger? Les clous. Voilà. Donc les 2 lits, je vais en laisser un ici. Alors je ne sais pas trop où je vais le mettre. Peut-être ici. Le temps que ça se fasse. J'en ai 2 maintenant. Hop, j'en ai fait 3 lits. Ah ouais? Bon, ben, au moins on les aura. Et je vais en mettre un directement dans le bateau. Comme ça, on sera prêt dans le prochain épisode pour repartir pour Koh Bi Island. Parce que là, ça ferait un épisode trop long. On pourrait faire l'aller-retour, valider la quête, etc. Mais le problème, c'est que bon, ça va faire vraiment trop long. Donc, hop, par contre, là, je vois que j'ai pas récupéré ça. Donc, je le prends. Ici, je pense pas qu'il me reste non, là, de la flotte. Et des munitions. Hop, je croyais avoir tout vidé. Voyez comme quoi, on n'est jamais sûr de rien. Toujours l'arc à la main, on ne sait jamais. Hein. Après, il faudra que... Après le prochain épisode, il faudra quand même que j'aille fouiller dans la ville là-bas. Il va falloir qu'on se refasse du stock un petit peu. Donc, je ne sais pas quand c'est que je ferai le prochain épisode. Il va falloir que je crafte un petit peu pour avoir des ressources. Hein. Là, de l'eau, farine. Voilà. Et ça va là-bas. Ici, vous voyez, les munitions, j'en manque pas. Hein, donc, je m'en sers pas vraiment hein, de ça. Franchement, les munitions, on fait plus de dégâts. Et c'est ce qui est un petit peu bizarre. Voilà, ça m'a fait 50 screws. Donc, je vais les mettre là. Ce qui est bizarre un petit peu parce que... On aurait tendance, alors peut-être que avec les autres armes, ça fait plus de dégâts. Mais non, pas vraiment. Moi, je préfère jouer à l'arc. Honnêtement, franchement, je leur fais plus mal à l'arc. Ici, on a fini. On va éteindre le feu, histoire 2. Et ici. Alors, on a fini ici. Donc, il nous fallait. On y revient. Inventaire. Quête. Et il nous faut 25 cobalt alloy. Ok. Hop. On va poser cela. Voilà. Et on a les 25. On revérifie une dernière fois. Donc, quête. Toc, toc, toc. 25 iron lingots. Donc, on va les mettre en bas. Comme ça, on est sûr de pas. 25 iron lingots. 15 aluminium plate. On a bien les aluminium plates. On vérifie bien le nom, hein, de ne pas s'être trompé. 4, 15 aluminium, 25 cobalt alloy. 25 cobalt alloy. Et 100 screws. On a tout. Donc, bah, écoutez, je vais ranger ça. C'est dans le... Ici. Voilà. Dans le prochain épisode, ce qu'on fera... Ben, on retournera à Koh Bi Island. On a tout, mais vraiment tout. On a eu du bol. Je n'aurais pas besoin de faire des séances de craft en live sur Twitch. On a vraiment tout pour pouvoir faire la quête suivante. Donc, il faudra qu'on retourne à Koh Bi Island où on était tout à l'heure et aller donc réparer la tour en glissant simplement les items. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai appuyé sur la tour avec E, ça me disait, voilà. Il y avait des carrés où il fallait que je glisse en fait tout ce qu'on a sur nous là. Donc on va glisser tout ça là-bas et on verra la prochaine quête qu'on aura à faire
au prochain épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On avance pas mal. Je ne sais pas encore si on arrive au bout du jeu. À chaque fois, je vous dis, ça sent la fin. Oui, ça sent la fin, mais pour quand? Il y a encore l'hélico. On avait la voiture. C'était sous forme de quête. On a eu le bateau sous forme de quête. Je pense que l'hélico, ça va être pareil. Par contre, là, ça risque d'être pas une partie de plaisir. Pourquoi? Parce que l'hélico coûte très cher. Entre 14 et 20 000 pièces. Et on est loin du compte. Donc là, ça va demander énormément de loot. Donc les séances de loot, je ne vous les fais pas en vidéo. Je suis en général sur Twitch et comme ça, je papote avec les gens, comme je vous ai dit. Donc écoutez, on se retrouve très vite, j'espère. En tout cas, on se retrouvera très vite pour le prochain épisode. Après, à voir ce que sera la quête suivante. En attendant, je vous fais plein de bisous. De bibi, de bisous, comme je dis souvent. Et vous avez le lien de ma chaîne Twitch si vous voulez me retrouver en live sur d'autres jeux que je ne présente pas automatiquement sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce en l'air, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Tout ça, c'est gratuit. Et puis, à très vite pour la suite du Let's Play, le prochain épisode qui sera l'épisode 25. Voilà. Gros bisous, bye bye.